encore, comme je vous le rappelle, comme précédemment, dans l'ordre du Canada, mais non pas dans l'ordre de leur classement. Ils sont tous qualifiés, donc les top 10, il y avait deux qualificatifs donc pour les yearlings. Et voici le premier qui se présente au numéro 92. Vous connaissez maintenant bien.
Thank you. That was 105. He was the last to go in this yearling male class. The last to go individually. They will return now for the lineup and the 7 minutes of the comparative judging for us. Ils vont revenir pour venir s'aligner pour les juges pour nous. 7 minutes de jugement comparatif pour partager ces merveilleux poulains qui nous sont présentés par nos sponsors. Ajman Stad, appartenant à son Altesse Cheikh Ahmad Ahmed Al-Naimi et Al-Bidayer Stad, appartenant à son Altesse Cheikh Ahmed Bin Saoud Sultan Zamfir Al-Qasim. Championnat du monde, nous les reverrons certainement sur toutes les pistes, peut-être pas toujours dans l'ordre du classement que nous aurons aujourd'hui, mais très certainement ce seront de futurs reproducteurs. Donc prenez bonne note de leurs noms et de leurs origines, vous allez certainement les revoir assez souvent. Here come our top 10. Top 10 young calls full of spirit. Their first world championship, we'll be seeing them again in the years to come. They are the future stallions that we will enjoy breeding from. So take good note of their names and breeding. We'll be right back.
back up now for the Echoes and back to the collecting ring. We'll be seeing them for the prize giving ceremony. Ils nous quittent ces superbes poulains pour leur qualificatif des championnats du monde. Ils vont revenir pour la remise des prix. Nous avons l'occasion de les admirer une dernière fois. Ils se sont superbement comportés, présentés au mieux. Ils sont en superbes conditions. Nos petits futurs étalons en début de carrière. Se qualifier pour les trois médailles pour commencer au mieux leur carrière de futur reproducteur. Voilà, nous serons bientôt avec vous avec la proclamation des résultats et cette remise des prix sera présentée et présidée par sa chef Rémi Borgmanstad. Son Altesse سيداتي أنساتي وسادتي فنرحب الآن المدالية الذهبية ريحان الشهانية لدولة قطر الشقيق. C'est le Qatar qui remporte la médaille d'or dans la catégorie des yearling male. Le gagnant c'est ريحان الشهانية, un fils de Marwan al-Sharaf, champion du monde, et de Jawahir al-Shahani. You'll be with us in a moment, Rihanna Shahania. A young colt starting his career in the best of ways, unanimous U.S. national champion. Here he comes with Michael Byatt, Rihanna Shahania. لملك مربط الشهانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. Silver medal, ladies and gentlemen, médaille d'argent
pour Dubaï Arabian Host, D. Sheamaz. في مربع دبي للخيول العربية الأصيلة المدنية الفتية دي شيماز أرتيست فاضل رشيم ليدي فيرونيكا. Should be having a D Sheamaz at the end gate. Ladies and gentlemen, the bronze medal. The bronze medal is Di Mezian, also for Dubai Arabian Host. Nice grouping for the Dubai Arabian Host team. And there comes Paolo Capecci with Di Mezian. Silver medal, Mabrouk. Elf Mabrouk. Here comes D. Mezian, that was D. Sheamaz on the silver medal. Beautiful grouping for Dubai Arabian Host. فنرحب حضور العزيز معنا صاحب السمو. فنرحب حضور العزيز معنا صاحب السمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني مالك مربط الشهانية ومالك البطل من عند المهور بعمر سنة واحدة. So we're waiting for the bronze medal to position himself. هي مدالية البرونزية دي مزيان من دبي Arabian Host. Ladies and gentlemen, in honor of Qatar, السلام الوطني. ألف مبروك لمربط الشهانية إن كعدت لبكة أنا كارك for the winner. What is a lovely coat. ريحان الشهانية unanimous already US national champion. He moves on to with the top honors here in Paris for the 2019 World Championships. Mohammed bin Ali is representing of course Al-Shakabstad and Bidayer started with us with Jean-Luc Poulin, president of Seneca, and Dr. Lachsen Fadayel for the Kingdom of Morocco and the Royal Stable. Congratulations for this beautiful ring. As we move on now to our silver medalist, he is
Shamaz by Rashim out of Lady Veronica. And the Dubai Arabian Horse Stud again with Mohammed Al Tawhidi and Abdulaziz and all the team of the Dubai Arabian Horse Stud. Ce sont les Émirats Arabes Unis, donc en médaille d'argent avec ce très beau poulain, un fils de Fahel Rashim. D'ailleurs, la médaille de bronze est également un fils de Fahel Rashim. Il décidément prend une bonne option, je crois, pour le trophée spécial pour le meilleur reproducteur, mais nous verrons ça tout à l'heure. Nous sommes entourés du docteur Larsan Fadrael, représentant le Haram royal de Bouznika du Maroc. Le Cheikh Mohammed Belvedere Stad. ألف مبروك لهذه المدالية الفضية وأيضا للمدالية البرونزية الآن مع المهر دي مزيان أيضا ابن فائل رشيم والأم دي مزايا. C'est Jean-Luc Poulain, le premier à féliciter. Donc l'entourage de Di Mezian en médaille de bronze, toujours pour Dubai Arabian Horse Stud. Joli doublé hein, d'argent et de bronze pour Dubai Arabian Horse Stud. Alf Mabrouk, les Hadel Medaillat El Bronzia. Pendant El Jawaiz, les top 10. Et voici maintenant nos top 10 que j'ai le plaisir de vous présenter, accompagné de Cheikh Mohammed Saoud Toutan Safar Al Qasim et sa représentante, Madame Spongle Yela Ferdinand pour Al Faisal Stud. And the Kingdom of Saudi Arabia. Et nous sommes maintenant les Copperfield Dora par Magic Magnifique et Chantilly Lace pour le Koweït et Al Jawad Stud. Fahad Al-Shaqab, well, Sheikh Hamad bin Ali Al-Thani with us. Fahad Al-Shaqab is the son of Magic One out of D.A. Kharma, Al-Shaqab Stud, Qatar. D.Shaqat for Dubai Arabian Horse Stud again. Et encore Dubai Arabian Horse Stud avec D.Shaqat, le numéro 97. Yes, yes. Et c'est la France avec Mahassin de Carteret appartenant à Chantal Riga et de Carteret Arabians, un fils de Raja de Carteret, Wadha de Carteret. Bravo à Chantal d'avoir élevé ce poulain qui arrive au plus haut niveau mondial. Boutabahi Al-Hawajer pour Al-Hawajer Stad, Parfa Al-Rashim encore et Ziti Magnum. Appartenant à Al-Hawajer Stud et représentant les Émirats Arabes Unis. Zuhair Al-Shaqab pour Al-Shaqab Stud du Qatar, un fils de Magic One et Kahlat Al-Shaqab. Al-Mabrouk les Jami Al-Faizin fi هذه البطولة. ونشكر أيضا لرعاية البطولات. البداير أيضا محمد حجمان The last pictures. Indeed, they're taking the last pictures of these beautiful young colts, the champion yearling colts here at the Salon du Cheval and the Arabian Horse World Champion. You're looking at the gold winner, Rahan Al-Shahania,
presented by Michael Byatt, bred known by Al Shahani, a stud of Qatar. Silver in the class was D. Shimaz, owned and bred by Dubai stud, presented by Paolo Capecci, a son of F.A. Al Rashim. Silver in the class was D. Mezian, also a son of F.A. Al Rashim, also bred and owned by Dubai Arabian stud.